Monsieur le Mongeron, je suis venu installer le thermomètre dans la ruche. La ruche trop petite pour qu'elle puisse se chauffer en hiver. Donc le plan, c'est de mettre un chauffage. Mais pour voir si le chauffage marche, je dois commencer par mesurer la température à l'intérieur. Ce que je vais faire avec ce thermomètre, qui a une sonde, donc on peut mesurer la température in and out, à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà la sonde qui est là. Voilà. Et comme j'ai déjà fait un trou, ça va être facile à mettre. Allez, je me lance. Ah ben je suis bête parce que là, c'est beaucoup plus simple en fait. Ah ouais, c'était pas ça mon plan, c'était pas cette ruche là. Là, je vais pas ouvrir longtemps. Hein. Ah, les abeilles sont là. Ah ouais, ok. Bon, bah du coup, c'est beaucoup plus simple. Parce que normalement, en temps normal, j'ai un trou et je glisse la sonde à l'intérieur, par exemple, si c'était l'autre là-bas. Mais là, je vais pas faire comme ça. Je vais faire tout simplement. Je vais le mettre comme ça là. Et je vais pouvoir le mettre au milieu de l'essaim pour mesurer. Comme ça, on verra à quelle température elles maintiennent la nuit. Ça, c'est vraiment super. Allez, je fais une pause parce que là, il faut pas que j'ouvre longtemps et il faut que je mette la sonde au beau milieu. C'est parti. Allez, rapidement, je montre hein, la sonde que j'ai mis au milieu là. C'est super. Allez, je referme vite. Elles sont sympas, elles m'ont pas sauté dessus. C'est normal, hein, c'est mes filles. Allez. Donc je remets ça. Je remets le toit. Ah, c'est vraiment top. C'est super. Donc maintenant, là, le thermomètre est là. Donc pour l'instant, il indique max. Le max et le min. Le min, 14,3 degrés. Je pense que ça va vite baisser. Voilà, ben c'est le top. Hein. Donc je vais laisser ça ici. Je vais me le mettre en dessous si jamais il pleut. Et puis bah voilà, on aura la température minimum à l'intérieur. Et ensuite, ben demain, je mettrai un bloc là-dessus. Je ferai un trou pour laisser la sonde à l'intérieur. Je mettrai ma bouteille d'eau avec le chauffe-eau de l'aquarium et je verrai si la bouteille d'eau chaude à 34 degrés réussit à maintenir une température intéressante à l'intérieur. Et le tour est joué. Allez, fin de la vidéo à Mongeron.